Comment ça va mes petits dindons d'Antarctique? Les gars, j'espère que vous allez bien. On le rappelle, excusez-moi, je ne dis plus coucou les artistes. Maintenant, on change. À chaque intro, je trouve une nouveauté. Comme ça, on fera une compilation des meilleures introductions de Swain. Aujourd'hui, faire top 1 sans aucun accessoire sur les armes. On le rappelle, c'est d'ailleurs le dernier top 1 de la saison, étant donné que vendredi, c'est la nouvelle saison qui commence. Je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir vous sortir la vidéo découverte vendredi 17h. Je sais pas si j'aurai le temps, en fait, ça dépend à quelle heure ils ouvrent les serveurs. Une fois, ils les avaient ouverts à 16h, donc je t'avoue qu'en une heure, c'est un petit peu compliqué de tourner et de faire le montage derrière. Mais on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir vous le faire. Au pire des cas, vous l'aurez samedi matin. Aujourd'hui, je suis Shadow Knight. Je vous préviens d'office. YouTube, on pense au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. La petite cloche de notification seulement si vous êtes abonné. Et directement, ça part sur le gameplay. Ok, allez, ça part. Donc, pas le droit d'accessoire. Déjà, là... Ah, si, j'ai le viseur. Mais ça change de rien, ça, le laser, si. De toute façon, je vais essayer de trouver... Ok, là, il n'y a pas d'accessoire. Là, il n'y a pas d'accessoire. Ok. Ah, je crois que sur les armes grises... Ok, je viens de capter. Ah, mais attends, j'avais jamais fait gaffe. Mais jamais fait gaffe. Arme grise, il n'y a pas d'accessoire. Arme verte, il y a un accessoire. Donc, je pense que arme bleue, il y en a deux. Eh, je viens juste de capter, ça. J'avais jamais fait gaffe. Vous saviez? Ouais, de toute façon, je vous dis, vous saviez, mais vous savez tout, vous. What you papi? Ok, donc ça, on va prendre comme ça. Ça, on va prendre comme ça. Donc le snipe, là, du coup, ce qu'il me faudrait, c'est un sans viseur. Sinon, je vais pas pouvoir l'utiliser. Ou alors seulement en noscope. On le rappelle, on peut l'utiliser si on met des noscopes. Ah, je viens juste de capter. Ah non, ça a rien à voir. Bah si, regarde, attends, regarde. Il y a deux accessoires. Eh si, si, les gars, c'est ça. Regardez, je viens de découvrir un truc. Regarde, arme bleue, deux accessoires. Donc là, logiquement, si je prends un snipe, il y en aura trois. Et voilà, il y en a trois. Eh, vous saviez ou pas, ça? Eh, je viens de découvrir un truc. Bon, c'est vrai qu'on est à la fin de la saison, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, attends, c'est quoi comme accessoire? Donc, chargeur silencieux et le viseur. C'est bon, on peut tirer sans viser, on est d'accord. Ça change rien. J'ai le droit de tirer sans viser. Et le chargeur, juste, j'ai pas le droit d'utiliser les 5 balles. Il faut que je... De toute façon, je recharge à toutes les balles. Donc ça, en vrai, ça te dérangera pas. C'est bon, ça va? On est bien dans les règles? Ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. Bah, j'imagine depuis le chapitre 1, du coup, j'ai jamais fait gaffe, les gars. J'avais jamais tilté. Je viens juste de faire attention. Et moi, je le serai. Et 100%, il y en a, ils savaient pas. Je suis sûr, à 100%, je suis pas tout seul. 100%, il y en a, ils jouent, ils ont le cerveau débranché, ils font pas gaffe aux petits détails comme ça. Ça, en vrai, c'est un petit easter egg. Si t'y fais pas attention, t'en as un petit peu rien à foutre. Hein. J'ai fait découvrir un truc à certains, si ça se trouve. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Moi, je savais pas. Voilà, merci, Bat. Merci, Bat. C'est gentil. Bah, grâce à moi, grâce à papy, tu le seras. Ça fait plaisir. Allez, vamos. Mon père est à la castagne. J'aimerais bien trouver une meilleure AR. Voilà, limite une PM 3 coups. Grise de préférence. Déjà niveau stuff on s'est mis bien là. Il faut que je pense aussi à modifier mes armes petit à petit hein. Quoi qu'à la limite je récupérerai au bunker. C'est pas très grave. Ça il y a un laser donc j'ai pas le droit de la prendre. La PM, la seule PM 3 coups que je pourrais prendre en fait, c'est si seulement elle a un viseur. Vu que je vis jamais avec en général, bah au moins je peux la prendre jusqu'à ce qu'on attende le bunker. Ok, ça part. Une petite PM 3 coups là qui traîne. Bah ouais, donc je vais garder le pompe 8 coups, surtout en gris. Je pense qu'il est plus rentable. Ça c'est nickel, on prend. Oh oui, parfait. Ok, impeccable. Pas de viseur, rien, nickel. Nickel, nickel. Oh, par contre, cet AR sans viseur, oulala, ça va être un carnage, je vous préviens d'office. Hein. Vous allez enfin comprendre pourquoi je vous dis H24, j'ai aucun shoot avec l'AR. Quand il y a un viseur, ça passe. Quand il y en a pas, c'est pas la même personne qui joue, je vous le dis. Hein. Ok, ça c'est top. Ça on va le prendre comme ça, au moins. On est sûr de pas prendre des dégâts de chute. Ok, on en aurait pas pris quand même. Alors là, qu'est-ce que t'as de bois à me mettre sous la dent? Est-ce qu'il y a pas des petites répulsives? Ok, ça en prend. Ça, non, c'est hors de question que je le joue. Hors de question. Et les répus. Les gars, je vous l'ai dit, ce spawn, c'est incroyable. Tu repars tout le temps au minimum avec deux répulsives. Quand t'as un petit peu de chance, t'en as 4. Et quand t'as le code Swain dans la boutique, t'en as au moins 6. Au minimum 6. Si tu fais bien sûr tous les coffres. Hein. Donc c'est-à-dire ceux-là, ceux-là et ceux-là en haut. Ça, en vrai, c'est un bête de spawn. Hein. Quand t'es en mobile, c'est incroyable. Hein. C'est en train de se friter. Et j'ai pas le temps de niaiser ce matin, je vous le dis. Ce matin, objectif rentrée du clip. Et déjà là-bas, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il fait, le poteau, là? Oui, papy! Ouh, let's go! Je suis papy, mon gnagnon. Allez, vite! Avant que l'autre fouille débarque en corbeau, là. Ok, impeccable. On se casse. Aïe. Alors là, non. Là, je suis pas d'accord, là. T'es fait recadrer, putain. Et il a robot plus truc de l'eau. Honteux. Ça va faire boum. Oh non, ça aurait été beau. J'ai plus de balles. Oh, le combat de demeuré. Oh, le combat de Sgegos. Quelle afrocité. Eh, je l'ai senti, j'aurais dû mettre une répu pour me repositionner. Ça se voyait que c'était un demeuré, lui.
Il tirait ses balles comme un sgeg. Oh là là, le combat de Sgegos. En plus, il avait robot plus truc de l'eau. J'aurais dû replier stratégique. Mais je me suis dit, j'ai pas le droit de viser. Si je replie stratégique, je pourrais pas viser au snipe. Le tout pour le tout. C'est pas grave. C'est pour le watch time. Ça fait plaisir. Putain, Julien Tainti, c'est un boomer, hein. Je sais pas si t'es là, Julien, mais putain. Depuis quand on écrit sur Twitch, on est où là? Follow-moi sur Instagram. Ayo fraté, on se régale ce week-end. T'es chaud, let's go top 1. Putain, allez, hein. Dis-moi quand tu serais dispo. Avec plaisir. Ah, Julien Tainti qui m'écrit, les mecs. Incroyable. Eh, faut que je lui dise, hein. Je vais lui dire, eh, frérot, ça y est. Parce que t'as le million sur Instagram qu'il faut faire le kekos, hein. Follow-moi, moi aussi j'ai un petit peu d'abonnés, hein. 145 000 sur Instagram. Follow-moi, on s'écrit sur Insta, ça va, c'est plus simple. Depuis quand on écrit sur Twitch, là? Eh, après Adil Rami, c'est Julien Tainti. Y'a que les mecs de plus de 30 ans qui écrivent sur Twitch, on est où, là? Même Jaja, il le fait pas. Attention, hein. Même Jaja, il le fait pas, les gars. Tu vas aller en build? Eh, c'est vrai que lui, il joue. Ouais, lui, c'est vrai que c'est un barbare. Il joue nos builds débiles, je crois. Il s'en fout un peu, je crois. Mais il est plus ranked, lui, je crois, non? Julien, il farme un peu la ranked, non? Si je dis pas de bêtises. Et les Shoduna étaient un peu les gars, Julien, attention. Hein. Eh, tu te dis, je crois, il doit pas avoir plus. Il doit pas avoir loin de 40 piges, Julien, non? Mais combien de temps qu'il était au Marseillais, lui, il est arrivé, il devait avoir 25-26. Il a dû faire ouais, une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Hein. Puis c'est un ancien. Hein. Il doit pas être loin des 40 ans. Hein. Putain, ça passe vite. Hein. Vidéo avec Julien et toi, ça serait masterclass. On en avait fait une, Ilan, sur la chaîne. Hein, si tu l'as pas vu. Et en vrai, c'était rigolo. En vrai, il est dans le chou en plus, c'est drôle. Il est tout le temps en train de crier et tout, moi j'adore. Il est pas prise de tête, il est là pour se régaler. Il rage pas sur les. Quand on meurt, il rage pas, il en a rien à foutre. Non, j'aime bien les mecs comme ça qui sont détentes, ils sont là pour geeker, s'amuser. Ça se voit qu'il est pas à la recherche de. Il est pas là pour comparer son sgeg, quoi. Et ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien, j'apprécie. Et là, il y a Adil Rami aussi, faut que je fasse un top 1 avec lui, mais. En fait, je sais pas par où le contacter, j'ai pas envie de forcer non plus, tu vois. C'est quand même un champion du monde, attention. Mais il m'avait dit qu'il me redirait. Faudrait que je regarde, du coup, bah les DM Twitch, hein. Ça se trouve, il m'a écrit sur Twitch, mais j'y regarde jamais ça, moi, donc. Faudrait qu'on y regarde. Ah, attention, ça arrive. Ok, donc déjà, pompe, ça j'ai droit. Eh, pouvoir de l'eau, y a pas d'accessoire. Hein. Eh, pouvoir de l'eau, y a pas d'accessoire, hein, j'ai droit. On est d'accord, hein. Comment ça, non? Y a pas d'accessoire, j'ai droit. Salut, ma belle. Putain, pour une fois que je le veux sans viseur, tu peux pas me donner sans viseur, hein. C'est trop compliqué, ça. C'est trop demandé. Choupapi. Allez, ça dégage. Pas le temps de niaiser, darling. Darling. How are you, darling? Je vais te rentrer le snipe dans le cerveau, frérot. Je vais déclencher la bastos divine. Je vérifie ma boutique, là. Je crois qu'il y a un truc qui l'a sauté, hein. Moi, je veux bien commencer mes streams à mettre des noscopes de fou dès la première game, hein. Par contre, si derrière, ça suit pas, attention, hein. Ça va chier. T'as du mal ce matin. Oh là là. Oh, les gris de service. Réveille-toi, va prendre ton café. Là, fais-moi pas. Faut que t'as raté la première game, hein. Excuse-moi, j'y ai tout donné la première game. C'est comme avec les femmes. Je donne tout la première rencontre. Bizarre, ça, un peu. Eh, frérot, il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Mais là, c'est pas Swain qui rate les balles. C'est Swain qui prouve à l'humanité que ce n'est pas un tricheur. Parfois, ça rentre. Parfois, ça ne rentre pas. Tout simplement. C'est tout, c'est comme ça, les gars. Pas mal celle-là, hein, à méditer. La PM, j'avoue que la PM. En vrai, je vais vous écouter, je vais prendre la PM. 3 coups, elle est mieux, je pense. Surtout avec ce pompe. Après, normalement, on devrait en trouver un 8 coups. Ça devrait pas être compliqué à trouver, surtout en gris. Mais s'il te plaît, régale-moi là. Il faut qu'on trouve un défi du coup à faire avec Julien. Je sais pas ce qu'on peut faire. Waouh! Oh, je sais! Oh putain, je sais, ça peut être trop drôle. Oh, ça peut être hilarant. Je lui demande de jouer clavier-souris. Comme on a fait en gros avec Mayuka. Je sais pas s'il va être d'accord, mais. Oh putain, ça pourrait être à crever de rire. Ça pourrait être à mourir de rire. Et je pense, désolé de dire ça, mais je pense qu'il doit être gay, ce clavier-souris. En général, quand tu dépasses les 35 ans, la souris, tu la maîtrises pas. Attention, Mayuka, il te reste 2 ans. Encore 2 ans, Mayuka. Et c'est fini. Comment on fait pour jouer avec toi? J'ai mis une nouvelle fonction, un petit peu comme Jean-Fils. Alors, c'est pas 500 euros. On a vu avec le chat combien hier? 20 balles. Réduction, Black Friday. Je rigole, c'est une boutade. C'est une boutade. C'est un petit clin d'œil à mon ami Jean-Fils. Collègue, on va pas s'emballer non plus. J'ai vu il y a pas longtemps sur Twitter un mec qui l'affichait comme quoi il faisait payer 500 euros pour faire des games avec lui. Putain, c'est honteux. C'est une honte à dame. Vous pensez qu'il y a des mecs qui ont. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mecs qui ont payé en vrai? Vous savez que c'est possible, hein. Moi, je sais très bien qu'il y en a, frérot, à tout moment. Si je mets 100 balles pour faire une game avec moi, il y en a, ils sont prêts à payer. Hein. Croyez-moi sur parole, hein, c'est réel, hein, ce que je dis. Hein. Il y en a, ils sont déjà prêts à me payer pour des dédicaces. Non, laisse tomber, hein. Mais regarde, imagine. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent du petit là, le fils du footballeur à l'époque de YouTube qui passait tous les matins et qui me faisait des dons de 500 balles là. Que j'avais fini par engueuler parce que ça m'embêtait un petit peu. Que de me dire dans mon cerveau, putain, c'est un gamin de 10 ans qui me nourrit. Bon, petit peu de fierté quand même et de dignité, s'il te plaît, tu vas t'arrêter. Et lui, le quatrième jour, je lui ai dit en direct. Hein, je l'ai pris en vocal, je lui ai dit frérot, ok, t'es riche, ok, t'as la moula. Tu gardes tes sous et t'arrêtes de m'enquiquiner. Tous les matins, les gars. Hein, 4 matins d'affilée, il débarquait. Pouf, 500 euros d'un coup. C'était un marteau, il était complètement cinglé. Y a un mec, il est mort du bot. Je rigole même pas avec vous, il y a un mec, il est mort du bot. Oh la honte. Hashtag 1. Hashtag 1. On va pas se porter l'œil non plus. C'est pas bien de se moquer, on le rappelle. Mais bon, c'est quand même un peu la honte, hein. On va pas se mytho.
Le bunker, il arrive quand? Et je crois on va devoir attendre le bunker, les gars, j'ai envie de viser avec le snipe. Hein. Même si c'est le sans viseur, j'ai la flemme d'y aller qu'en oscope non plus. Moi j'avoue que de plus en plus j'ai l'impression, putain je vieillis hein, quand je vois les générations là. Au départ ça allait, quand j'avais 22 ça allait, je trouvais encore... Je me trouvais à ma place parmi les jeunes. Là, en vrai de vrai, je m'y trouve de moins en moins. Je trouve les jeunes, en fait, entre eux, ils sont de plus en plus vénères. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont plus de... Ils se clashent entre eux, genre. Et ils trouvent ça drôle. Je sais pas, moi, à l'époque, je voyais un pote, je sais pas, j'ai... Faites des compliments à vos potes, les gars. Je vous jure, faites des compliments à vos potes, ça va les mettre trop bien. Hein. Ça paraît con, mais tu te lèves le matin, tu le regardes, tu fais, oh, putain, t'es pas mal tes petites chaussures, là. Elles envoient du steak. Oh, ça va le mettre de bonne humeur. T'arrives, t'es dès le matin, ouah, c'est quoi tes chaussures de newbie, là, 30 balles, c'est de la merde, ça, c'est pas des sneakers. Ah, forcément, frérot, ça va le mettre mal à l'aise, un peu, ton copain. Hein. Soyez gentil avec vos potes. Faites-leur des compliments, des petits... Fais des trucs à la con, même. Oh, putain, t'es élégant ce matin. C'est ça le problème, après, quand t'es jeune. Tu vas dire à ton pote, il est élégant, ton pote, il va te dire rien, quoi. Tu veux me draguer, là, connard? Je crois les jeunes, ils ont du mal avec les compliments. Ils aiment pas qu'on leur fasse des compliments. Surtout entre eux, genre. Ça les met mal à l'aise. Mais c'est un clown, ça, j'ai jamais fait. Pardon, ah, pardon. Blague de mauvais goût, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. C'est le matin, je me réveille. Il est où le poteau, là? Moi, je sens qu'il est à l'intérieur. J'ai pas du tout envie d'y aller. Il va m'atteindre, je vais rien comprendre à ma vie. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On tente le tout pour le tout, on y va, et au pire des cas, c'est un retour au lobby. Ça fait du watch time? Ou est-ce qu'on attend que la zone bouge pour pouvoir le farcir? Là-dedans. Oh, ce qu'il a bouffé, c'est pas normal. Vraiment, je tiens à le dire, mais ce fusil à pompe, c'est vraiment pas normal du tout. C'est une calomnie. J'ai un pont gris, je lui ai mis 3 balles, le mec est mort. C'est n'importe quoi. Il avait quand même 250 PV de base. Hein. Bon, vous inquiétez pas, la R, je ne la prends pas. Je vais juste faire un petit truc de tryharder. On va la planquer. On va légèrement la cacher, comme ça, au moins, on est sûr que personne l'utilise. Oh que oui, je tryhard. Ok, donc les bunkers, là, ils doivent être ouverts. Allez, vamos. Par contre, attends, celui-là, il est pas en zone. Ça me fait aller à l'autre bout. Vas-y, tant pis, on va tanker la zone. On va... Pâche! Cinglé! Oh! Non! Pourquoi il a pas pique? Oh, le combat de demeurer! Putain, mais j'ai honte de moi, comment je joue! J'ai honte de moi! Après, pour le coup, j'ai pas de viseur, donc je peux pas viser de loin. Hein, donc, vas-y, je fais le tout pour le tout. Et on les éclate, comme ça, on perd pas de temps. Oh, par contre, le noscope! Eh, le noscope, si le mec, il était pas resté derrière dans le bush et il avait décidé de faire un petit coup à droite pour pouvoir essayer de me viser, il se la prenait en plein crâne. Il se la prenait en plein crâne. Le monteur, la petite barre. La petite barre, s'il te plaît, avec un petit ralenti. Parce que la trajectoire, elle était vraiment divine. Elle était parfaite. Oh, je suis dégoûté. Par contre, 1 minute 20 pour y aller, là, au bunker, ça va pas être... Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, je vais devoir mettre une répu, tant pis. Comme ça, on prend la voiture. Et on bombarde derrière. Il y a pas de voiture. C'est une vanne. Et ben tant pis, on est pas dans les économies. J'espère qu'il y a personne dedans, par contre. Parce que sinon, je vais avoir l'air d'un con. On va pas perdre trop de vie avec un peu de chance. Il y a un kit dedans, comme ça, je le prends, je le tège en zone. J'ai pas le droit d'avoir d'accessoires sur mes armes. Donc là, tu vois, par exemple, je vais enlever tous les accessoires du sniper. Donc on pourra pas quickscope. On n'aura pas de viseur, mais on pourra viser au moins. Alors, retirer, retirer et retirer. Ok, nickel. Ah, ok, ça parfait. Le pompe, on va le prendre. La PM, on va la prendre. On va tout retirer. Ça, ça dégage. 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 Voilà, aucun accessoire. Pas une banane là, impeccable. Oh oui, je partirai pas sans les golds. Bien sûr que oui, je vais bien les récupérer. Avec un peu de chance, je vais pas prendre de dégâts de zone. Juste, je récupère la voiture et je me casse en zone. Je récupère les trucs de. Les trucs verts. J'ai même pas besoin de prendre la voiture en vrai. On va prendre quand même. On va rush. Et c'est ma combien de game là? Deuxième? Bon, en vrai, ça va, on a du watch time. Et si je le fais en deux games, c'est nickel. Au moins, on est productif ce matin. On est dans la productivité. Il reste 10 mecs seulement par contre. Oh, on a que 4 kills. Pourtant, j'ai essayé de rush un petit peu au début. Hein. Bordel, y'a un mec. Je l'avais pas vu. Quel bonnet. Je l'avais pas vu. Il vient de prendre le drapeau. Ok, ok, je te le laisse. Je veux pas de soucis. Salut. Ceci est un repositionnement stratégique. Là, je suis pas en train de cavale. Fous-moi la paix! Il a plus envie? Il a plus envie? Pas de problème. Viens là. Ça, c'est affreux. Il y en a qui se font avoir tout le temps comme ça quand ils mettent du flobet. Si tu restes appuyé, ça t'utilise soit une balle, soit une répulsive. Si tu lâches, du coup. Ça, c'est affreux, ça. Surtout quand c'est des répulsives. Une répulsive dans le vent, ça fait pas plaisir. Putain, je trouve des flobets, mais c'est que des 50. C'est quoi ce bordel, là? J'ai l'impression d'être un vrai rat qui récupère les restes. Les deux médaillons, ils sont là-bas. Et en vrai, go se friter avec les deux médaillons. On a peur de rien. Go se les faire. Une fois que c'est fait, au moins la game elle est faite. Une répulsive de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, malheureusement, celle-là elle marche pas. Pour le coup, celle-là elle marche pas de phrase. En général, une répulsive de perdu, c'est perdu. J'avais pas de. Excusez-moi, j'avais pas d'inspi. Par contre, lui, 3 médaillons plus un bot. Ce mec ne m'inspire pas du tout confiance, mesdames et messieurs. Mais je suis pas en train de camper, qui se papy. Je m'étire, tu vois bien là, regarde. Je fais des étirements. Inspire. Expire. Est-ce que vous avez un médecin qui faisait ça? Putain, j'avais un médecin, c'était un crack, les gars. T'avais mal quelque part, t'allais chez lui, il te faisait ce truc de chaman, là. Inspire, expire, respire normalement. Ok,
Et ça m'arrange pas du tout, ça. Ça m'arrange pas du tout, faut que j'économise mes charges. Allez, galop. Galop, frisbee. Je vais devoir utiliser mes charges ou les répulsives. Et merde. Et bah tant pis. Surtout que lui, il va m'attendre à la sortie de zone. À tous les coups, il est dans le bush, non? Impeccable, on apprécie fortement. Il s'est barré à l'autre bout. Peut-être même moyen que j'aille recharger mes charges, là, non? Faut que j'aille le récup. Est-ce que je jouerai pas le Ratus, là? Est-ce que ce serait pas le moment de commencer à se poser stratégiquement? Pas camper, hein, attention, on n'est pas des noobies. On campe pas ici. Hein. Les camper, c'est pour les noobs. Nous, on se pose stratégiquement. Il y a une petite différence. Il y a une légère différence, quand même. Par contre, il est en train de dévorer tout le monde, le frérot, dans son bush, là. C'est nice, ça? Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. C'est nice, ça. Ok, l'autre, là, dans son bush. Ça me tient en banque. Viens de castagne, mon ref. Il reste 3 mecs, dont le mec qui a l'air Shadow Knight. Lui, il faut que je le focus en priorité. Si j'arrive à buter lui, je pense que c'est bon, c'est fait. Aïe. Voilà, c'était sûr. Oh, vache. Wombo combo. Wombo combo. Alors ça, par contre, ça m'arrange pas du tout. Ouais, ça, ça m'aurait arrangé, mais si je l'ai trouvé avant. Quand il descend. Ok, il descend pas. Allez, ciao. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Non, c'est un fou! Pas comme ça, Zinedine! Aïe! Oh. Eh bah, heureusement que j'ai des répus. Ok, nickel. Nous sommes en vie toujours. Il y a un robot là. Ok. Il y a des bandages ici. Ok. Vite, je récupère ça. Je peux se les mettre à fond. Y'a pas un kit là? Y'a une grosse popo. Oh, le petit arme qui va peut-être me sauver la vie. Oh, le petit arme qui va peut-être me sauver la vie. Allez, c'est bon. Ah! Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Tu sais pas viser. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Allez, allez. Un diamant, un diamant, un diamant. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix, génie! Oui! Et il me reste une répulsive pour me placer en fin de zone. Là, je peux te dire que sur YouTube, avec la musique épique, t'auras l'impression d'être dans les Avengers. Non, non, c'est juste une vidéo de Swanito sur Fortnite Epic Games. Ok, l'autre, à 100%, il est dans le bush, là. On les connaît, les rats. 100%, il est dans le bush, voilà, c'était sûr. Ok, donc lui, il est dans le bush. Les deux sont dans le bush. C'est peut-être ma chance. Il faut qu'il me rush avec la répulsive. Et que je lui mette un boulard en face. Ça va être ma seule chance de survivre. Il doit être dans le bush, hein, si je dis pas de bêtises. Il va mettre la répu, faut que je l'aligne en l'air. Nice! Let's go, mon petit, magnifique. Vamos. Oui, je me suis explosé le poignet. Oui, j'ai pas peur de le dire. Oui, je me suis explosé le poignet. Mais pour vous, je l'ai fait. YouTube, on pense au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Deux games, le top 1 est validé. Le dernier top 1 de la saison 2, chapitre 5... est désormais validé. S'il vous plaît, Epic Games, sortez-nous la nouvelle saison. Ça y est, on en a marre du pouvoir de l'eau. Sortez-nous la nouvelle saison. Et s'il vous plaît, là, je lance un hashtag, une pétition. Hashtag SVP, laissez les snipers. S'il vous plaît, Epic Games. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, YouTube. On se dit à vendredi soir, mesdames et messieurs.